En janvier, nous avons réitéré notre objectif d'inflation de 2%. Nous nous concentrons entièrement sur les possibilités d'atteindre notre cible d'inflation à la barre des 2%. Ce point ne fait pas l'objet de discussion. Contrairement aux attentes des observateurs de la Fed, le taux d'inflation n'a affiché aucun signe de raffermissement. Tim Quinlan, Wells Fargo. La Banque du Canada a relevé son taux directeur de référence de 25 points de base à 0,75% mercredi dernier. Cette décision est apparue conforme aux attentes. Le CAD a atteint son plus haut sur près d'un an en réaction à l'annonce. Combien de temps le dollar canadien pourra-t-il maintenir cette force? À notre avis, les marchés ont déjà réagi à l'évolution de la position des décideurs politiques canadiens et au changement des taux d'intérêt à court terme. Fondamentalement, depuis leur changement de ton au début de juin, nous avons observé une multiplication des positions courtes sur le dollar canadien. Ce mois-ci, la monnaie canadienne s'est renforcée de 3% par rapport au billet vert. Cette tendance s'est accentuée depuis l'annonce de la décision de la Banque du Canada. Cela renforce nos prévisions à plus long terme, selon lesquelles le dollar canadien devrait se raffermir progressivement par rapport au dollar américain. Je pense que la principale raison pour laquelle ce scénario devient de plus en plus probable est le fait que les positions adoptées par les deux banques centrales en question en termes de politique monétaire commencent finalement à converger. Par contre, l'année dernière, la Fed a commencé à durcir sa politique, tandis que la Banque du Canada a préféré faire preuve d'attentisme. À l'heure actuelle, les deux banques centrales resserrent graduellement leur politique. Il en découle que le dollar canadien a toutes les chances de gagner un peu de terrain par rapport au billet vert. Selon la présidente de la Fed, Janet Yellen, l'économie américaine est suffisamment forte pour que la Fed puisse augmenter les taux et commencer à réduire son portefeuille d'obligations. La faiblesse de l'inflation et un taux d'intérêt neutre peuvent réduire la marge de manœuvre de la banque centrale. Tim, quelle est votre opinion à ce sujet? Tout d'abord, je voudrais revenir à votre question concernant le potentiel d'appréciation du dollar canadien. À mon avis, cela dépendra en grande mesure de ce que fera la Fed. Les responsables de la Fed ont récemment déclaré que la baisse de l'inflation n'était qu'un phénomène transitoire. Il est à noter que les décideurs de la Fed aiment beaucoup ce mot. Janet Yellen n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur l'inflation, non seulement dans ses remarques préparées à l'avance, mais aussi lors de son témoignage devant le Congrès mercredi et jeudi dernier. Elle a donné un commentaire assez important selon lequel la Fed surveillait de près l'évolution de l'inflation tout en étant prête à ajuster sa politique en cas de nécessité. Cela signifie que la Fed va intervenir en cas de non-réalisation de l'objectif d'inflation. Vendredi dernier, nous avons découvert des données sur l'inflation des prix à la production. Elles sont apparues un peu plus faibles que prévu. Ces données ont été suivies des chiffres de l'IPC couvrant le mois de juin. Ils ont également déçu les attentes. Les participants au marché s'attendaient à une augmentation mensuelle d'environ 0,1% par rapport à un gain d'1,7% en comparaison annuelle. En réalité, aucun changement n'a été enregistré sur une base mensuelle. Le taux annuel s'est établi à la barre d'1,6%, ce qui est un résultat décevant. C'est une autre indication du fait que l'inflation n'est pas en train de s'accélérer, contrairement aux attentes des observateurs de la Fed. À la clôture du sommet du G20, la chancelière allemande Angela Merkel a critiqué la position du président Donald Trump sur le changement climatique. Cela met-il en évidence la politique contradictoire de Trump? Comment cela se reflétera-t-il sur les relations entre les USA et l'Europe? Bien sûr, cela souligne le fait que la position adoptée par M. Trump à l'égard du climat est en contraste flagrant avec la politique de ses nombreux prédécesseurs. N'oublions pas que les États-Unis ont signé le protocole de Kyoto. Jusqu'à présent, plus de 200 villes américaines et 12 États du pays ont réitéré leurs engagements envers l'accord de Paris. À vrai dire, c'est un véritable casse-tête. Cette question suscite une grande inquiétude aux États-Unis. En revanche, selon les résultats d'une étude menée par l'Université de Yale plus tôt cette année, 69% des Américains sont d'avis que leur pays doit rester dans l'accord de Paris. Pour répondre à votre deuxième question concernant les répercussions de la politique de Trump sur les relations entre les USA et l'UE, pour l'instant, les perspectives sont difficilement prévisibles. Cette question doit être analysée en profondeur.
Le New York Times a récemment publié un article rédigé par Gary Cohn, directeur du Conseil économique national des États-Unis, en collaboration avec M. McMaster, qui occupe actuellement le poste de conseiller en matière de sécurité nationale. L'idée de base de cet article est que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'être un membre passif des organisations internationales. Pour ce qui est de l'accord de Paris, le fait que ce sujet a été abordé lors du sommet du G20 souligne que la nouvelle administration américaine ne se fixe pas pour objectif d'être à la hauteur des attentes de la communauté internationale. De toute façon, il ne m'appartient pas de juger si oui ou non cette position est cohérente avec des valeurs largement répandues. Tout porte à croire que cela exercera une incidence négative sur les relations entre l'UE et les États-Unis à moyen terme. Tim, merci de nous avoir rejoints par téléphone aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Cela conclut notre bilan de la semaine écoulée. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopie TV.